Réparation. Voilà. On est reparti. En plus, maintenant, on sait où se trouve... où se trouve notre base, spécifiquement. Oups. 150. Oui, pas grave, ça va vite remonter. Ça diminue. On a besoin de panneaux solaires, mais on va s'installer des panneaux solaires. Ici et là on peut pas, mais on peut le mettre sur celui-ci. Ça devrait être suffisant, non? 300. Alors si je voulais faire... Donc là... Ah mais... Est-ce que j'ai pas une salle de libre? Juste pour voir. Il me semble que j'ai une salle libre. Là j'ai une salle libre. Le biogénérateur... c'était lequel? Ça devait être dans ça. Pompe à air... Non, c'était pas celui-là. C'était ici. Un lubrifiant, un kit de câblage. Hop... kit de câblage, c'était 2 d'argent. Et juste une... Hop, si je veux faire des bacs extérieurs... C'est des bacs internes. Bac extérieur, c'est 2 titanes. Je vais donc me prendre 4 de titane. Deux, trois, quatre. Très bien. Parce que quitte à devoir aller chercher des vignes, on va en planter. On va en planter. Quoi, c'est trop petit ici? Ah non, ok. Très bien. Donc on va ici. On va dire qu'il faut, on peut prendre une dizaine de graines. Ça me semble bien. Après, si ça se trouve du lubrifiant, j'en ai un. Ah. Combien? Là j'en ai 4. On va s'en prendre encore une ou deux, ça sera bien pour commencer. Au final j'ai pas tant de place que ça. Inventaire plein. Un petit poisson. Hop. Bon après je suis pas obligé de manger du poisson vu que j'ai des cultures à l'intérieur. Mais celui-là il le méritait.
Hop. C'est par exemple. Là, les 4 piles sont faites. Une, deux, trois, quatre. 100, 100, 100. 166. 69. 89. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un de lubrifiant? Il y a bien un de lubrifiant. Toi ici. Là. Ici, rien du tout. Celui-ci. Hop, par exemple, on peut mettre ça. Et maintenant, on peut bien monter. Seul souci, c'est d'avoir des réserves d'éléments à mettre. D'où l'intérêt. De faire pousser ceci chez nous. Il m'en faut 6, donc au total il me faut encore 7 graines. On va voir si on peut trouver quelques graines d'or en plus. Plus vite on en a, plus vite on peut être enfin on peut être autosuffisant au niveau de cette plante, des algues. Plus vite on est autosuffisant, plus vite on peut se contenter de vivre dans notre base. Et mourir en paix. Est-ce que veut-on vraiment s'échapper de cette planète? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être plus que prévu. Hop. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Très bien, donc maintenant, on va avoir une en plus. On va venir mettre là-dedans. Générateur à biomasse. Et ensuite, on va se nourrir. Avec ça aujourd'hui. Voilà. Et on a besoin d'un peu d'eau. Merci. Ah bah bon appétit Plinta. Voilà. Donc tout ça c'est fait. Tout ça qui n'avait que pour but d'aller chercher ceci. Alors, station de modification. On va retourner pour voir exactement ce qu'il nous faut. Lingot de plastacier. D'acier. En fait, ce qui va le plus manquer, c'est la magnétite. Près des dents. Pour voir le... Ok. Faut se dire que... Nous, on doit être... Est-ce qu'on peut regarder si on... Arrêtez. Là, est-ce qu'on peut voir s'il y a de la magnétite? Il n'y a pas de magnétite dedans. Donc on va dire continuer avec les dents trop d'or. Il doit y en avoir tout près de nous. Voir où est ce tout près. Je dirais que ceci c'est notre base. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'il y a le nord qui est indiqué? Alors, si ceci c'est notre base... Faudrait le tourner en fait comme ça. Et donc ce serait tac tac. Ce serait dans l'allongement, donc il devrait y en avoir une à deux même à 80 mètres d'ici par là. À peu près 80 mètres d'ici par là. Ok.
Ok. On va regarder comme ça. Hein. C'est censé y en avoir dans ce coin-ci. Peut-être dans ce coin-là, du coup. Hop. C'est pas hyper précis, hein, c'est dommage. Ça se trouve, je suis pas dans la bonne direction. Quand même à 200 mètres. Ça doit être. Ça a du quartz pour le moment, on en a. Mais on récolte. Je suis sûr que dans ce cas-là, du multi, ce serait utile. Il y en a un qui reste dans la base et l'autre qui va explorer. Et en détectant la donnée de l'autre, on peut lui dire dans l'autre sens ou on peut lui donner des indications. Ce serait tellement mieux. C'est plus côté. Ah, si ça se trouve, on se trompe. Si ça se trouve, il faut aller là et faire 80 mètres dans ce sens-là. On est quoi à 140 mètres, ouais, ça m'étonnerait. Hop, on est reparti. Ah, quoi que non, on n'est pas reparti. On va bien respirer. Voilà. Là, on est bien. Allez, une petite dent, je monte pas beaucoup, hein, je suis gentil. Après, la solution, ce serait d'en tuer, hein, mais... Et après, on a une mâchoire complète, mais on peut pas le faire, je pense pas.
Allez. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en sous-marin. On va essayer de trouver de la magnétite. Et comme je sais plus exactement où ça se trouve, on va essayer d'atteindre les 200 mètres qu'on peut atteindre en sous-marin. Et on va aller chercher de la magnétite à 200 mètres. Vu que les dents, ça va être compliqué. Bah, peut-être qu'avec la magnétite, on pourra avoir le HUD. Et avec le HUD, on pourrait trouver le verre émaillé, enfin les dents. Non, j'ai cru que c'était une dent, c'était du sel. Non. Je veux pas perdre une dent là tout de suite en direct. Parce que les dents, tu les perds quand tu joues avec ton métal. Toi, on va t'appeler Flippant le Dauphin. Hop. Toi là-bas, t'as pas une dent perdue. Ça va, c'est chill. Hop. Alors, en métal. Ici. L'argent. L'or. Le cuivre, on va le mettre de ce côté-ci. Ça, je reprends. Et le quartz, ici. Ici, les piles. Toi, alors, un déjà. Dit le constructeur, non. Hop, on est gentil, on te remet 3 piles. Voilà. Donc, il faut prendre de l'eau. Si à ce niveau-là, inactif. Pour faire ça. Hop, on en replante une. Et ici. Non, on va. Là. Très bien. Et on va charger ça. On peut en mettre que 4 à la fois, mais. Voilà, si tu gères ceci. Et on va aller chercher notre Simos et partir pour du 200 mètres de profond. Soit à la place de lui.
Allez, on monte. Là. Alors. Je propose que ce qu'on aille faire, c'est en même temps, c'est chercher la capsule 7. Donc, 200 mètres, c'est la zone à laquelle on peut y aller. 1 km au sud-ouest de la partie arrière de l'Aurora. Hop, donc on va direction l'arrière de l'Aurora. Je vérifie qu'il n'y a pas une dent qui traîne. Alors, ici. Et sud-ouest sera par là, ok. Disons qu'on part d'ici, parce que là il y a une grosse bête que j'ai pas envie de voir. Sud-ouest, par ici. Dans une zone désertique, à 200 mètres. Ici, ça me plaît pas mal, hein. Zone. Enfin, c'est pas désertique qu'ils ont appelé ça, c'est. 200 mètres avec une faible activité biologique. Donc là, il faut juste descendre à 200 mètres à partir d'ici. Salle de scanner, on l'a déjà. Donc ça doit être quelque part dans ce coin-ci, quoi. Oups, un rubis, on va aller le chercher. On va ramasser ce qu'on trouve. Et on va également réparer celui-ci qui s'est pris un coup de requin. Couler à 200 mètres dans une zone faible activité écologique. Fouiller un peu, on va pas non plus passer tout notre temps. Si on le trouve pas, on le trouve pas. Mais vu que de toute façon on devait aller à 300 mètres. Ah putain, ils font chier ceux-là. Si on a quoi? Du lithium, je suppose. Et il va encore l'attaquer, non? Du lithium. Et ça vit, je pense. Non?
Bon, tant pis, on plonge. Oui. Je regarde si je trouve pas un peu de magnétite ici. Parce qu'on est à 310 mètres, donc le sous-marin n'ira pas jusque là. Hop, très bien. Normalement, on devrait pas devoir... En vrai, c'est possible. J'y en devrait pas, mais il pourrait le faire. Devoir se casser les fesses pour trouver ce dont on a besoin. Et risquer un peu sa vie. C'est quoi ça? C'est juste une plante morte. Si ça se trouve, c'est pas ici qu'il faut aller, c'est dans les crevasses. Je parlais pas de celle-ci, mais là on va ramasser ce qu'on trouve. Dire de l'uranium et du rubis. Ah oui, l'uranium, je vais pouvoir lui faire une belle petite centrale là. Je pense pas que j'ai déjà les plans, mais. Ah, inventaire plan. Je sais pas pourquoi, mais je me débarrasse en priorité de ça. Ils sont en décomposition, super. Parfait, il m'en fallait qu'un. La base se trouve par là, on va retourner par là. Et on va essayer de découvrir. Hop. Il y a lui que j'aime pas, c'est le faucheur, je pense qu'il s'appelle. Ce truc là-bas. Si, je suis déjà venu, je pense. Mais est-ce que il n'y a pas des portes? Je pense pas. Yep. Là, c'est du rubis. Oh, il y en a plein en plus. Donc ouais, on va prendre quelques dégâts. Ça va. Et pour 3 rubis de plus. Mais pour la magnétite, je pense que je cherche au mauvais endroit. Donc notre base, elle est par là. Ouais, dans ce coin-ci, on va arriver vers vers la première base alien qu'on a découverte. Donc on va se barrer d'ici, on va retourner vers les plaines à côté de chez nous. Et on va descendre dans des grottes.